Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Et cette fois-ci, je vais vous présenter Metal Gear Solid 5 sur PlayStation 4. Avant de vous présenter le B.A.B.A., je voulais juste vous montrer une petite chose. Voilà. Hop. Vous l'avez bien vu, beaucoup de vidéos ont circulé dessus. Il s'agit du chien, encore bébé, de Naked Snake. Voilà, donc il s'agit bien sûr de Big Boss que nous incarnons dans ce cinquième opus de console de salon. Enfin, celui qui porte le numéro 5, pardon, des opus de console de salon, car il y a eu bien sûr beaucoup de portages et de remastered HD sur ancienne console. Alors, que vous dire? Édité par Kojima, développé par Konami, sorti officiel le 1er septembre 2015, excellente note de 19 sur 20, moyenne de 95,28% sur Game Ranking, et Peggy nous le déconseille au moins de 18. Donc je vais attendre avec mon petit chien-chien le temps que mon hélico arrive. Je vais faire du coup une mission annexe et non une mission officielle, car je n'ai pas du tout envie de vous spoiler ce jeu, rien que par respect pour la licence qui, on va se le dire, et de toute façon, hein, Kojima, ça se repose sur, sur un seul jeu en particulier, donc voilà, on sait de toute façon à quoi s'attendre. La note part d'elle-même, et croyez-moi déjà que ce jeu est super beau, il va offrir pas mal de nouveautés aux joueurs. La notion d'open world, bien sûr, maintenant est mise en avant, comme vous avez pu le voir dans bon nombre de vidéos. Véhicule que l'on peut diriger, notion du temps s'il tire sur sa clope. Enfin voilà, plein de petites choses qui vont vous permettre d'être maître de certaines situations qui peuvent vous amener à être avantagé dans une situation, comme par exemple sauver quelqu'un, il vaut mieux choisir du coup la nuit plutôt que le jour. Vous allez me dire jusque là c'est logique, hein, mais bon voilà, on peut le gérer et ça c'est vraiment sympa. Alors, donc du coup, je suis dans l'hélico. Donc là, j'étais dans la Mother Base. Bon, pour ceux qui ont fait, ceux qui ont connu par exemple Peace Walker, bon ben voilà, hein, vous savez où est-ce que c'est. Alors, donc, je vais choisir donc du coup en mission optionnelle. Hein, j'en ai 4. Et je vais faire du coup la mission de sauvetage que j'avais prévu de vous montrer. La gestion de votre personnage, voilà, vous pouvez donc du coup faire ce que vous voulez par rapport avec Naked, choisir son arme principale, secondaire, l'arme de soutien, les objets et les outils. Donc là voilà, au niveau du camouflage, je pense que je vais pas changer, je vais rester avec le même. Ouais, bon, allez. Sans plus attendre, 18h, lançons la mission. Oui, on peut choisir. Si on peut partir le matin ou le soir, c'est plutôt conseillé de jouer le soir. Je parle bien sûr du jeu et aussi bien sûr en IRL. Forcément. Alors, donc du coup, vous allez voir, hein, John nous réserve beaucoup de surprises. L'histoire se passe donc du coup majoritairement, si ce n'est totalement en Afrique, plus précisément en Afghanistan. Je ne vais pas plus vous parler du solo que ça, même s'il y a quand même beaucoup de rebondissements dans le coma. Après 9 ans, il se réveille, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'impact sur sa tronche, des éclats de shrapnel qui n'ont pas pu être enlevés. Sinon, ben, ça allait lui causer bien sûr sa propre mort. Du coup, on va aller... Où est-ce qu'ils vont m'amener du coup? Bon, là il y a mon cheval qui est désigné par le logo des Diamond Dogs, qui je vous rappelle est l'unité qui est créée par Kaz et Snake, qui sont voilà les espèces de renégats. Je check un petit peu toute la map pour voir s'il n'y a pas des diamonds par terre. Oh, il y a un bouc là-bas. Donc du coup, je vais faire d'abord un petit truc qui va être drôle. Vous allez voir. Vous avez dû voir beaucoup de vidéos avec les fameux ballons. Donc je vais vous expliquer en quoi consistent les ballons si vous ne le savez pas. Déjà je vais essayer d'endormir. Donc je ne tue pas le bouc, ne vous en faites pas. Ou le mouton plutôt. Mais crève. Enfin crève, endors-toi. Donc voilà. Et là on va mettre le ballon, 100% d'efficacité. Et
Et il est directement envoyé à la Mother Base, en fait. Donc, on peut, en fait, recruter des soldats pour créer notre propre armée, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, une gestion des personnages qui nous rappelle, bien sûr, étrangement, Metal Gear Solid Portable Ops, l'un des premiers MGS sur console portable de Sony. Et ensuite, la gestion de la Mother Base que l'on a pu connaître dans le fameux Peace Walker, un autre opus qui était sur la console portable de Sony. Vous voyez le nombre de personnages à droite, donc voilà, je vais augmenter le niveau pour qu'il puisse passer à 40. Parce que je recrute trop de monde, voilà, enfin voilà. Il faut récupérer donc du coup des informateurs, des médecins, enfin plein de petites choses. Le panel d'armes, toujours pareil à Ground Zero, hein, c'est les touches directionnelles pour pouvoir vous équiper de vos armes. Alors je suis ici, je vais placer un petit marqueur, voilà. Et on va s'empresser d'y aller. Donc voilà, open world, vous le voyez, c'est quand même assez vaste. Graphiquement quand même, il casse des culs, hein. On va pas se le cacher, hein, vous allez me dire. Donc ma mission, donc, du coup, est de sauver quelqu'un en particulier. Donc voilà, là j'appelle mon cheval, je peux y monter dessus quand je veux, à l'appeler. En fait... Ouais, je suis à 155 mètres, donc ça va pas me servir à grand chose en fait d'avoir pris le cheval, d'ailleurs. J'y suis. Bon, alors allez, on va sortir les jumelles pour commencer, on va target un petit peu tout le monde. Une fois qu'ils sont mis en avant, les ennemis, ils ne vous lâchent plus sur la map, vous pourrez les voir forcément. C'est plutôt fort sympathique, me direz-vous. Je vais parler aussi de façon à ce que ceux qui ne connaissent pas plus la série ou qui ne connaissent pas du coup les éventualités, les petites actions à faire, puissent le comprendre. Donc voilà, je ne m'adresse pas directement aux fans de la série parce que voilà, je sais que je ne vous apprendrai rien tout au long du jeu. Vous êtes là plutôt pour découvrir momentanément ce qui va se passer pendant cette mission de sauvetage. Je vais voilà déplacer mon cheval. Il est où? Ok, c'est génial, voilà. Donc on a qu'à siffler, de toute façon il se téléporte à côté de nous. Ça évite qu'il soit sur la route et qu'il se fasse voir par les ennemis, voire même peut-être tuer. Ce serait dommage. Bon. Allez, on va commencer à infiltrer tout ça. A savoir donc du coup que je vous parle un petit peu du solo pendant mon infiltration, sans trop vous en parler. J'ai été étonné, donc connaissant le jeu, les ayant tous faits, il me semble avoir bel et bien reconnu Psycho Mantis qui est présent dans ce Metal Gear. What the fuck, me direz-vous. Mais bon, après je vais pas m'avancer dessus. La trame scénaristique du côté des méchants, ça bat bien sûr sur Skullface. Cette fameuse personne qui a le visage complètement défoncé. On n'en sait pas plus dessus, enfin pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, et je n'en dirai pas plus. Mais bon voilà, la trame scénaristique quand même nous tient. La petite pointe Kojima, toujours à pouvoir passer en mode FPS quand notre cher Naked mate des culs de gonzesses, c'est toujours possible, me direz-vous. Le CQC, comme vous pouvez le voir, le Close Quarter Combat, est toujours possible pour mettre dans les vapes ses ennemis. Dégage, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Je voulais récupérer le métal. On peut récupérer donc différentes caisses qui vont pouvoir nous apporter des ressources pour ainsi améliorer la Mother Base et acheter, développer les armes, etc. Pour développer des armes, il vous faut des ingénieurs, donc après c'est aléatoire en fonction de ce que vous allez récupérer. Crève, bordel, qu'est-ce qu'il est pas précis ce flingue. J'ai beau l'améliorer, mais c'est fou. Je vais me faire voir, je vais passer un mauvais quart d'heure. Mais voilà, bordel! Et je me fais voir de l'autre côté, c'est génial. Alors toi, t'es étourdi. Voilà, à savoir que quand ils sont endormis, bon, ce sont les Z. Ok, bon, c'est pas avec le pistolet silencieux, enfin, fléchette, que ça va péter des lumières. Ah, il y a le super sniper des ennemis à côté. Comme moi, le mien, il est vraiment pas amélioré. Je préfère celui-là parce qu'il a un viseur laser. Il est plutôt sympathique. Hein. Mais bon, là, j'ai l'impression que je me suis fait repérer. Ouais, enfin, ils sont plutôt en alerte. Eh ben... Je suis si discret que ça. Eh ben, dis donc, comme quoi, la nuit, c'est vraiment efficace.
Bon, comme vous avez pu le voir, quand je lui avais fait une prise de CQC à l'autre, j'ai pu du coup afficher où était donc du coup notre cher gars à sauver. Je m'attarderai en fin de vidéo plus sur la gestion, tout ça, pour vous réexpliquer la gestion de personnages, de soldats, ainsi que l'évolution de la Mother Base. Mais en attendant, voilà, cette vidéo test portera uniquement sur cette mission de sauvetage. Je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler ce jeu. Croyez-moi, c'est un jeu où est-ce qu'on peut aller les yeux fermés. En tout cas, les fans de la série vont vraiment l'adorer. En tout cas, moi, ayant fait tous les MGS, c'est pour moi une véritable révélation, ce jeu. C'est un truc de fou. Plus les vidéos avancent et moi plus je regarde des vidéos, plus je me déçois du jeu en fait. Je me dis mais bordel, j'en découvre de plus en plus, etc. Et malheureusement, le courant qui suit, on peut pas non plus éviter les vidéos qui nous sont proposées. Alors c'est bien dommage, donc du coup on se gâche un peu le truc. Donc je me suis dit bordel, est-ce que je vais autant le kiffer qu'au premier abord? Mais bordel de merde, bien sûr, il est génial. C'est un truc de fou. Bon, on va voir s'il n'y a pas des ennemis dehors. Toujours gestion au niveau des tirs. Oh, ben je me suis fait voir. Bitch, headshot. Ah ouais, non, ils étaient deux en fait. Allez. Toujours des petits tirs en saccade, hein, parce que si vous tirez et que vous faites du spray, vous n'aurez personne. Ok, bon, mais là je me suis fait voir par un sniper. Ouais, ça sert à rien, faut que je le vise là par contre. Ah putain, je l'ai raté. Là il y a le gars d'en bas. Bitch, prends-toi un petit bonjour. T'es où toi? Oh bordel. C'est pas grave. Bon, ça m'aurait. Au moins en même temps vous voyez une petite phase d'action, hein. C'est plutôt fort sympathique, me direz-vous. Donc voilà, vous avez pas du coup, comme je vous ai dit, que des missions principales. Les missions de sauvetage comme présent. Oh bordel, mais je me fais invade là en fait. Bordel de merde. Dégage toi. Bon allez, bon, mon silencieux qui s'est pété, c'est pas grave. Je suis en train de me faire défoncer, petite grenade. Bordel, il va me l'envoyer sur la gueule. C'est bon. Il referme pas la porte. Bon, ça va, j'ai survécu. Le pauvre, je l'ai laissé dehors tout seul. Je vais finir les gars, là. Ah, bah, y'a plus personne. Merde, il est mort. Oh non. Oh merde, je l'ai tué. Oh, je suis un boulet. Putain, non, c'est pas vrai. Oh fuck. Bon, allez. C'est bon. Point de contrôle. On va refaire ça rapidement. Oh putain. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est chaud quand même. Fait chier. Merde. Ah, ça semblait tellement pratique parce qu'avec l'arrivée des ballons, on peut tellement se sauver la mise, quoi, en sauvant les gens, pas forcément attendre l'hélico et poser le mec sur l'hélico comme on avait pu le faire dans Ground Zero. Non, l'arrivée des ballons, ça change vraiment tout, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Ah ben merde, je suis vraiment dégoûté. Ah fuck. Bon, connaissant. Où est-ce qu'il est? Enfin non, petite chose supplémentaire par contre, c'est que d'après ce que j'ai pu voir, quand on recommence une mission que l'on n'a pas pu du coup terminer et que ça ne s'est pas sauvegardé, parce que si on sauvegarde juste après qu'il y a un point de contrôle après une mission aléatoire et que le mec est mort, eh bien c'est pas grave, on peut plus la refaire, la mission est un échec, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Donc ça c'est bien dommage, bon là j'ai la chance de pouvoir recommencer dès le début, néanmoins... C'est random, il peut apparaître dans une autre pièce du coup. Donc après voilà, il faudra néanmoins se méfier. Du coup, attendez, je vais remonter, je vais aller interroger un garde. Comme ça au moins il me dira l'endroit où il est. Bim, toi, voilà. Je me fais du peuple pour ma petite unité des Diamond Dogs, hein. Ne m'en voulez pas. Merde, 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 merde. Bon, le bullet time quand même est assez sympa quand même. C'est vraiment fat. Bon, même si le pistolet anesthésiant est de loin l'une des armes les plus imprécises du jeu, et qu'il faut maintenant faire un headshot forcément pour pouvoir les endormir. Bon, vous allez me dire, pour les autres, bien sûr, c'était pareil. Mais dans les autres MGS, je trouvais que c'était beaucoup plus facile d'endormir quelqu'un en lui enfonçant juste une fléchette dans la jambe. Il s'endormait genre 3 secondes après. Là, il s'endorme même pas si vous visez pas la tête. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Vous pouvez cumuler les flèches dans leur race. Pff, non, ça y fait rien. Allez, c'est toi qui va y passer. Bim. CQC. Allez, crash. Bon, alors, il est au fond, à 59 mètres. Je sais pas s'il était là, cet endroit, la première fois. Il était pas en dessous de mes pieds au début. Non, 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 non. En fait, il est au même endroit, autant pour moi. Bon, mais tant mieux.
J'aurais pu ne même pas interroger quelqu'un. Bon, allez, là ça va, je m'en sors plutôt bien. Je vais passer par là. On va aller sauver ça vite fait. Qu'on termine cette mission. En tout cas, voilà, franchement, ce jeu porte vraiment ses promesses. Une immersion de fou. Le son, enfin, la bande son toujours aussi fat, quoi, vous allez me dire. Et puis, bon, bien sûr, là, il a toujours son petit iPod. On peut placer des musiques à côté. J'ai failli me faire voir aussi à côté. Oh, bordel, ils sont deux! Reload vite, ta race! Putain, l'autre, il a peur. Bon, voilà. Comme quoi, hein. Et attendez, c'est Big Boss, hein, c'est Naked. Hein. Il arrive à tirer plus vite que son ombre, lui. Dégainer deux flèches anesthésiantes en double headshot alors que le mec il a même pas le temps de mettre son arme à la hanche pour pouvoir me tirer dessus. C'est vraiment fat. Allez, on va te sauver. Parce que tu m'as gavé. Allez, viens ici mon coco. Non merde, pas le ballon. Putain, je suis con. Ça m'aurait étonné. Il peut pas s'envoler. Ça aurait été tellement beau. Allez, il est temps d'y aller. Oh non, en fait tu vas rester là. Ah mais ils sont deux en plus, bordel. Alors on va changer. Ouais. Ok, il arrive, on va changer d'arme. Allez, arrive. Bon, j'en ai marre d'attendre. Bim. Voilà. Et toi? Ah mais ils étaient deux en plus. Oh là là. Allez, premier headshot. Deuxième, bam bam. Parfait, parfait. Bon. Je vais juste le poser devant et lui foutre un ballon pour pouvoir m'enfuir, quoi. Alors vous allez me dire que c'est vachement plus simple. Mais en même temps, on n'a pas non plus de temps à perdre à se coltiner un gars sur le dos. Oh putain, en plus il est où? Je vais pas le voir là de là. Je tire au hasard, mais bon. Bah ça y est, il m'a flag. Oh, mais il était juste à côté, d'accord, ok, autant pour moi. Là, on n'y voit vraiment rien. Et les jeux de couleurs, franchement, sont vachement bien faits. Vous pouvez le voir, quoi. C'est un truc de fou. Bon, au moins, il y aura toujours des phases d'action, comme ça au moins vous pouvez voir un petit peu de piquant qui est rajouté dans ce jeu. C'est un truc de fou, un truc de fou. Non, croyez-moi, pour un jeu début septembre, croyez-moi qu'il va vous occuper pendant plus d'un jour, hein, comme la plupart des jeux des next-gen sont des jeux quand même qui se finissent assez rapidement. Croyez-moi que lui, il a pas mal de ressources pour pouvoir vous occuper encore un petit peu. Putain, je me prends des balles de partout, ça m'énerve. Il est temps d'aller nettoyer un peu. Bon, après, vous avez pas forcément que des snipers ou des armes automatiques. Hein. Vous avez les petits pistolets mitrailleurs, vous avez des fusils à pompe, des lance-roquettes, des batteuses. Voilà, hein. C'est comme les anciens MGS, hein. Ça ne change pas. Beaucoup de variétés d'armes. Et puis après, vous avez différents ennemis comme l'équipe Skull aussi, à laquelle vous aurez affaire dans le solo, dans les missions principales. Des soldats génétiquement modifiés, de sortes de zombies un peu surhumains qui se téléportent partout, qui font sortir des armes de nulle part, de vortex bizarres, et qui vous rattrapent très vite pour vous démonter la gueule. Et croyez-moi, si vous en voyez un, vous êtes foutu. Enfin, au début du jeu, en tout cas, vous l'êtes. Après, je suppose qu'on va trouver un bon truc. Et ça le fait délirer en plus, quoi. C'est ça qui est génial. Alors voilà, donc pour s'enfuir, du coup, j'ai plus qu'à quitter la zone, mais je vais appeler. Où est-ce que c'est déjà? C'est un hélico. Je vais voir dans les missions secondaires. Ouais, mais non, mais de toute façon, je. Non. Ouais, non, en plus, je suis trop loin pour le reste, non, j'aurai pas le temps. Je vais faire finalement qu'une seule mission, m'en voulez pas. Je vais appeler donc du coup un hélico au plus près d'ici. Là. Donc voilà. Oh merde, putain, mais ils étaient là. Et vous auriez pas pu me prévenir, les gars, sérieux? Dégage! Putain, c'est le corps qui se prend quasiment toutes les balles, ça m'énerve ça. Qu'est-ce qu'il fout là, ce corps? Qui c'est qui l'a mis là? Ok, super. Bon, il est temps de se barrer. Ouh là! Dégage. Putain, le pauvre, il avait rien demandé. S'il faut, il avait fini son heure de travail, il allait rentrer chez lui. Et puis finalement, non. Allez, arrive. Arrive mon chevalou. Non, franchement, en plus, ça se voit, quoi. En plus, il a tellement une dégaine aussi quand il court, c'est un truc de fou. Mais pourquoi je prends le cheval alors qu'en fait, le point est super près?
Ouais, il est vraiment à côté. Ouais. Bon, tant pis. Enfin voilà. Donc, rentrons à la base. À la mother base. Ça me permet au moins de reloader toutes mes armes. D'être paré pour le trajet. Même si dans le trajet, il va rien se passer. Mis à part un chargement. Oh! Oh. Descends. Un petit corbeau. Yes. Je l'ai endormi, je l'ai pas tué. Comme ça, je le récupère. Et plop. Voilà, ça c'est super. Ok, donc on voit mon cheval au loin. Du coup, je vais essayer de laisser la caméra dessus. Parce qu'il lui... Ils activent de loin, donc du coup, le dispositif de ballon. Et le cheval va se barrer en même temps que moi. C'est vraiment trop bonheur ça. Le ballon, c'est vraiment un truc génial. Alors croyez-moi, si vous avez juste été convaincu par cette phase de sauvetage, imaginez tout ce qui va vous réserver dans le jeu. Des phases d'infiltration, bien entendu, c'est un MGS. Tuer quelqu'un en particulier, uniquement récupérer des données, absolument endormir un ennemi pour l'avoir dans nos rangs. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Donc là, vous voyez tous les gens que j'ai récupérés, ainsi que leur capacité, qui va de E à A++ pour leurs compétences. Non, non, c'est vachement sympa. Donc voilà, donc là je suis dans l'hélico. On va directement rentrer à la base. Voilà. Non, franchement, un très très beau jeu. Sérieusement, on a beau se monter des idées à la tête pour se dire ouais, il va être tellement bien de se l'embellir, et après on a peur de se dire qu'il était si bien que ça. Mais non, mais croyez-moi, il dépasse vraiment tout, n'importe quelle attente. C'est vraiment un truc de fou. Bon, après, néanmoins, le point négatif, c'est que si vous commencez par celui-là, vous allez absolument rien comprendre. Revolver Ocelot, notre cher et vieil ami. Toi, t'as le même style en plus. Oh. Oh, il a une balle qui s'est... Ça s'est enrayé. Alors là, mon gars. You see that in the movies? That's an automatic. Don't bother trying to dampen the recoil. You do that with a revolver. Et on sait de quoi il parle, n'est-ce pas? Now a force to be reckoned with. We've got the world's attention. We're not some tribal militia, so don't act like one. You will learn how a real soldier fights. You will forget everything Hollywood taught you. And if I catch you doing something else, you'll know it. Engravings give you no tactical advantage. C'est une logique implacable, bien entendu. Ça t'apprendra à jouer au Colt avec un automatique. Oh, je suis sale. Oh, tiens, il y a des cibles. Bon, putain, ouais, ouais. Le fléchette anesthésiante, il sert vraiment à rien. Même pas péter des lampadaires ou même pas. Enfin bref. Bon allez, allons nous clean up un peu. Parce que, à la douche, bien sûr, c'est bien connu dans MGS, on se douche habillé. Enfin voilà. Et bien, donc du coup, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus comme vous pouvez le voir après, la Mother Base, niveau. Niveau grave quand même, ça envoie légèrement du lourd quand même. Je vous avais parlé donc du coup de la gestion. Revenons donc du coup, voilà, un petit peu parlons des armes. Voilà, vous engagez des gens et vous pouvez donc du coup améliorer différentes armes. Vous voyez les dégâts, force d'impact et tout à droite. Moi j'ai celle-là justement dont je vais enfin l'améliorer. Il me semble que c'est... Ouais, non, c'est bien celle-là, étoile 2, oui. Donc voilà, j'avais assez d'ingénieurs en armement et compétents pour pouvoir me la...
me l'upgrader, donc ça y est, voilà. Donc vous montez vos armes, il y a cet effet de système un petit peu comme sur Peace Walker, quoi, en fait. Ça augmente comme ça, donc vous voyez, voilà, j'étais équipé de la première, je vais pouvoir m'équiper de la deuxième pour un départ en mission. Toutes les armes vous sont données ici, avec les upgrades que vous pouvez faire, les snipers sont là, bref. Les équipements pour les coéquipiers, bon là je n'ai que le cheval, donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a la tenue et ce que ça nous offre en plus. Pour l'hélicoptère, qu'est-ce qu'il a à nous offrir aussi, avec une coque blindée qui permet de se déployer plus rapidement, bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc du coup, voilà, je vous avais parlé, gestion du personnel, où est-ce que vous pouvez tous les voir par capacité, voilà, que ce soit des ingénieurs, des unités de soutien, renseignement, voilà, vous les avez tous ici. Bon, après, le panel de gestion, si vous avez fait, comme je vous le répète, Peace Walker ou Portable Ops, vous serez aidé. Les données de la base, donc voilà, plus on fait des missions, plus le pourcentage monte, parce que le temps passe, et elle permet d'être améliorée. Enfin voilà. Donc du coup, je vais vous laisser là du coup, en espérant que cette vidéo vous aura bien plu. Je ne voulais pas faire plus de spoil parce que c'est un jeu que je respecte énormément. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à ciao tout le monde! Ce test était entre autres dédié à Yannick Allière et Gabriel Klein, deux fans de la série. À ciao!